Église. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour notre dernière musique. Nous allons parler de littérature. Alors, d'abord, la première chose que j'ai à illustrer en relisant vos livres, la musique, c'est que le format bonne, c'est tout à fait pour vous. J'en ai l'idée, vos histoires incitent beaucoup à être léger dans la vie, à partir avec pas grand-chose et à faire confiance à la vie qui est calme. Une petite phrase qu'on retrouve facilement dans votre vie. Donc, vous dites que votre vie est idéale, ça c'est pas mal, ouais. Et puis ça permet aussi, je pense, en matière de lecture, un petit moment pour les gens, c'est important, parce que le prix du poche est plus abordable qu'un bon format. Donc, je suis très heureuse que le livre soit également produit. Alors, comme dans cette idée de faire, il faut quand même partir léger pour pouvoir s'ouvrir au reste du monde. Il y a un cas, je disais à l'instant, moi j'ai pris un peu de temps sur votre moment de faire mon pain, vous avez vu. Donc, alors, typiquement, dans ce livre, beaucoup de thèmes qui vous concernent est quand même ce personnage des lois qui se retrouve dans un but. Et quand je dis, alors, j'ai entendu dans des interviews que journalistes, vous êtes très courageux. Moi, en tout cas, j'ai eu le sentiment que c'était un acte. C'est-à-dire que est-ce que c'est pas la dernière extrémité quand on n'a pas réussi à trouver le courage d'avoir abandonné sa propose et dire qu'il y a un problème dans le train? C'est un petit peu des deux en fait. Il faut quand même avoir le courage, je vous invite à tout le monde à écouter, je pense que ces gens ne le font jamais. Pour le coup, ils doivent voyager très léger. Si tu pars juste avec le sens à cadeau et les deux, trois affaires, on se rend à certains millimètres. Effectivement, vous avez raison, il arrive à un moment donné où il peut tout faire autrement. Peut-être que ça peut se faire un petit peu l'esprit, mais effectivement, il a un projet de fin pendant 6 années, et puis là, c'est comme un élastique, content, et puis à un moment donné, ça lâche, et puis ouf, c'est pas bon, c'est trop, en fait, c'est trop. Et quand même, alors, la première chose qui est venue du coup en travaillant sur vos ouvrages, la musique, c'est finalement. Est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une bonne idée de vivre intranquille, au sens où vos personnages, quand même, vous suggérez qu'ils ont été trop tranquilles, je ne sais pas. Oui, ils n'étaient pas tranquilles, ils étaient. Je ne pense pas que ce soit le mot que je cherche, du coup, quel mot je peux. Il était un peu dans l'espacement de lui-même et de ses besoins. En mode automatique, si on part plus, il a rencontré cette femme, son épouse, et puis il est parti dans une vie un peu de routine, sans trop réfléchir à ce qu'il avait vraiment besoin. Et ça, c'est la prise de conscience de est-ce que je suis heureux dans ma vie. Maintenant, là, c'est un santé, et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que je peux faire pour l'être? En fait, c'est le sujet principal de ce livre. Et puis, je l'espère, parlera d'autres, parce que je pense qu'il y a beaucoup de devoirs qu'on va se faire dans le futur. Et souvent, on est en mode automatique dans une vie que la société nous impose un peu dans les stéréotypes du bonheur. Voilà, il faut rencontrer des gens, s'arrêter, avoir des enfants, une belle maison, un chien. Et parfois, c'est pas du tout ça. Et c'est bon, c'est dans les plus faciles. Non, parce que moi j'ai un mari en or et je suis heureuse dans ma vie. Mais je pense que on va en dire courage, c'est un courage d'oser changer de vie et d'oser déjà poser la question. Et puis oser agir pour atteindre quelque chose qui vous correspond mieux. Dans ce livre, mon voisin est dans la rue dans une famille d'hôtes. Je vais poser la question, est-ce qu'il faut être plusieurs pour savoir qui on est soi-même? Je pense, oui, parce que se connaître soi, c'est aussi à travers le miroir de l'autre. Et moi, je crois très fort aux rencontres, à la puissance des rencontres, à ce que chaque rencontre peut apporter de complémentarité et de réflexion. Nous sommes des êtres sociaux. Et chaque expérience de connexion avec un autre humain vous apporte quelque chose, une richesse que vous ne connaissez pas.
fois on aura fait notre tour. Et donc, c'est vraiment l'intégration sociale à mes yeux qui fait que l'on peut, en prenant tout en compte, se faire la courte échelle et accéder à autre chose de mieux. Et surtout, ce qui est important dans notre travail et la série, c'est qu'au départ, on a l'impression que c'est un personnage qui est un peu perdu, qui va se retrouver dans une communauté qui veut bien accueillir, qui finalement va pouvoir puiser à travers les autres personnalités de quoi trouver en fait dans son chemin. Ce que l'on comprend bien, c'est que vous faites en sorte quand même que vos personnages perdus sont eux-mêmes des personnages qui vont secourir les autres. Exactement. Et c'était ça que j'avais envie de développer, c'est une interaction, c'est pas juste prendre quelque chose chez l'autre et un peu égoïstement et ça vient, c'est aussi donner à l'autre. La vie, c'est des échanges, en fait, c'est de l'osmose. Chez les plantes, pareil, les plantes en osmose, elles échangent quelque chose de je prends et je donne. Et les doigts vont trouver les réponses dans cette forêt, mais ils vont aussi répondre aux questions des autres, c'est des questions personnelles. C'est ça qui est beau, c'est de pouvoir s'apporter dans l'autre quelque chose. Il a construit cette vie-là, cette chose-ci qui ne lui correspondait pas parce qu'il était hyper sensible et qu'il ne correspondait pas. Parce que lui, il faut deux hommes qui sont hyper sensibles. Ah oui, bah oui, parce que il n'y a plus pas de gens qui ont hyper sensibilité. Et je pense que c'est encore plus difficile d'être hyper sensible pour un homme que pour une femme parce que la société ne le reconnaît pas forcément. Pleure pas d'un homme. Je creusais depuis des années, en faisant des livres, mais aussi en étant en contact avec les gens. J'ai eu la chance pour les femmes de rencontrer beaucoup de patients et de travailler beaucoup sur les émotions. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir des amis hommes qui sont bien moi, des hommes qui sont sensibles. Donc, forcément, j'ai intégré tout ça pour moi dans votre travail avec l'humain, les gens se confient à vous d'une autre façon, on n'en peut plus tout le temps, c'est on se sent confiant. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais spontanément, depuis toujours, hein, je suis une oreille qui est en mon plan, parce que c'est spontané et c'est très touchant pour moi parce que. Effectivement, nous avons envie
de parler des émotions et de transcrire les émotions. J'ai cette chance-là, qui n'est pas toujours facile, parce que c'est un pied ouvert parfois sur le monde, quand on est très sensible, on est percuté par un certain nombre de choses, mais ça permet de ressentir très profondément des choses que parfois les autres ne sont pas eux-mêmes. C'est la caractéristique de la sensibilité, on peut sentir chez l'autre une émotion dont on n'a pas encore conscience. Et je pense que cette sensibilité me permet justement de transmettre ces émotions dans les personnages et donc de toucher les lecteurs directement de caractère. Pourquoi vous êtes arrivé là au personnage? Il est aussi assez violent. C'est la vie. C'est la vie et je ne suis pas tout à fait d'accord à ne pas parler de certaines choses parce que j'ai envie de parler de la vie. Et la vie, c'est des drames, et c'est des bonheurs, et c'est de la tristesse, et c'est de la joie, et c'est du bon, et c'est de la lumière, et par contre. Après, c'est quoi la question du corps aussi dans notre travail, c'est-à-dire finalement que je n'arrive pas à respirer. Donc là, évidemment, j'en tiens à cette deuxième grande thématique qu'on a inventée un peu avec la vie, c'est-à-dire la forêt. Et alors là, dans ce petit instant particulièrement, je vous ai mon cœur de vos demandes avec toutes ces légendes. Pourquoi? Parce que j'avais envie, je suis tombée dans la forêt quand j'étais petite, dans mon quartier, avec les deux sœurs, avec le tronc, pendant que mes parents faisaient du bois dans la forêt. Et quand j'ai eu la chance de grandir dans la forêt, j'ai toujours été en contact avec les arbres, et j'avais envie à un moment donné, par exemple, de mon enfant, ça a été vraiment, je pense, j'avais envie de faire des forêts, donc j'ai cherché, je me suis dit, dans quelle forêt je peux aller me promener pour vraiment m'inspirer de quelque chose de particulier, et pour ce moment, on va dire, depuis quelques années, partout avec les légendes, les arbres tordus, le mystère, et donc, quand je suis allée, j'ai pris une chambre d'eau, je suis allée passer quelques jours là-bas, j'ai rencontré des élèves qui tenaient la chambre d'eau, qui faisaient aussi des visites guidées et comptées de la forêt, et on a arpenté la forêt pendant plusieurs jours, dans des kilomètres et des kilomètres dans tous les sens, et en fait, j'ai été touchée par cette forêt parce que le côté mystérieux des légendes qui s'y attachent, en tout cas, sens, entre guillemets, on comprend, il y a une espèce d'énergie particulière. Et voilà. Donc, je vais dire, je ne sais pas, c'est quelque chose que vous ressentez en vous baladant, une espèce d'émerveillement comme ça, face à je ne sais pas, je passe un retour, je suis allée quand c'était beau, quand il y avait du brouillard, à plusieurs moments d'année, pour deux jours de nuit, enfin c'était magique, je ne sais pas pourquoi j'ai fait. Vous avez dans votre livre, il y a un personnage qui est bien, qui a le rituel avec tous les gens en forêt pour enseignants, c'est une inspiration pour ce livre. Vous êtes une inspirée de la forêt pour écrire? Alors, comme c'est mon quotidien, évidemment, pour m'inspirer, j'allais plutôt de temps en temps en Bretagne pour écrire une semaine, marcher sur la plage, regarder les vagues, prendre ce temps dans ce temps de contemplation. Je ne sais pas comment fonctionnent les auteurs, mais moi j'ai besoin de temps en temps de partir, de couper du reste pour entrer dans le futur et pour être dans le monde avant, en fait, celui du vivant. J'ai l'impression que vos personnages doivent transmettre cette réflexe, le rituel, le rapport à la nature. On a l'impression de début du livre, en fait, c'est la fin du livre, ils ont pas parlé, côté environnement, ce que vous avez régulièrement sur vos ressources. C'est ça, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Que vous avez dit sur vos personnages, les en fait, je pense que j'ai plus envie de prendre par la main des lecteurs à travers mes personnages. C'est-à-dire quand les doigts découvrent ce livre pour la première fois qui nous aura tous dans ce chemin de route, ben, j'ai envie de vous passer pareil. Voilà. J'ai envie de donner envie en décrivant les sensations et les émotions d'atteindre ça et de faire pareil.
fait, à la parole de nos parents que j'ai jamais annoncé, elle s'est installée près de cette forêt de brosse de viande pour aider son fils. Oui, bah oui, parce que on ne va pas trop vous discorder les choses, mais on a une histoire particulière et on va comprendre en un moment pourquoi cette adolescent ne parle pas. Et elle, plus aussi dans la solution, elle est partie à brosse de viande pour retrouver la tranquillité, la sérénité, une certaineté intérieure dont elle avait besoin. Alors, il y a deux personnages masculins qui ont été attentifs, et puis il y a des personnages féminins qui ont quand même la meilleure manière d'avoir une vision politique sur le monde. Je pense à Gaëlle, les féministes, surtout. Dans la vie, il est temps que j'ai avoué cette politique, mais c'est l'heure de rencontrer des gens qui peuvent poétiser la vie. Je pense que je m'attache à consoler des personnes qui peuvent rapporter cette poésie-là. Je suis très sensible à la poésie, et la poésie, c'est pas juste du verre sur du papier. La poésie, ça peut être un coup de soleil, c'est quelque chose d'important dans mon écriture parce que ça rejoint. L'écriture, la poésie, la musique, en fait, c'est un trou. Et je me rends compte en écrivant que je cherche. Parfois, j'ai des phrases en écrivant qui ont une petite musique et des rimes de temps en temps. Ça, c'est tout est lié à mes yeux. J'essaie vraiment de transmettre une forme de poésie dans l'écriture, dans la mesure du possible. J'essaie de faire. La question poétique, à travers vos livres, c'est un regard que vous portez sur la société. On a l'impression quand on vous lit que le meilleur côté politique et humanitaire, c'est pas de poser sur téléphone. Bah ouais, alors la page récente de Facebook, Instagram, je trouve que la page reste trop courte. C'est beaucoup trop court. Beaucoup trop court pour se rendre compte de ce que ça. Enfin, de ce que l'éloignement de tout ça pourrait apporter de positif. Et donc, typiquement, dans le roman, elle propose à des personnes qui viennent passer un petit peu de temps là-bas de poser leur téléphone dans un casier et de plus toucher. Et c'est ce qu'on va faire Edouard, et il me dit c'est un peu angoissant. Son téléphone, et puis c'est en tout mis, tout nu, tout mis, et j'ai plus d'heure, je ne sais même plus, voilà, j'ai plus leur collège, je ne sais plus pas trop où je suis. Et on a d'autres tendances à être un peu comme ça, mais ces téléphones restent à la main, mais c'est plus faire autrement. Et c'est bien de temps en temps de pouvoir les connecter. C'est difficile, mais ce serait bien de temps en temps de le faire. Et vous rentrez chez vous, vous avez un petit avis où vous êtes là. Mais pas bien. Et vous plongez. Oui. Mais c'est difficile pour moi aussi. C'est ça dans le roman. Je me suis dit, c'est facile de tenir le bateau de l'autre côté, progressivement, mais c'est pas facile. J'ai juste de le faire. Alors, dans ce roman aussi, il y a deux personnages qui sont assez jeunes et qui sont parfaitement chahutés par la vie. Quel regard vous portez sur les adolescents aujourd'hui? 24 ans, je suis un peu inquiète pour les adolescents d'aujourd'hui. Justement, à cause des réseaux sociaux. Parce que je pense sincèrement que ça peut être extrêmement destructeur. Alors, peut-être que je suis old school, ancienne génération, et que je n'arrive pas à me caler sur cette nouvelle génération, mais je trouve que c'est un moment difficile pour les adolescents d'aujourd'hui. Parce qu'ils reçoivent énormément d'informations, des informations qui ne sont pas forcément justes, on parle beaucoup de news, mais ils sont confrontés aussi. Dans un monde où c'est assez angoissant de grandir quand même, je pense que nous, on a cette chance-là, enfin, moi, à mon âge, d'avoir une très belle vie, d'avoir encore un peu de temps pour vivre une belle vie, mais eux, ils les attendent, mais pas forcément très heureux. Et je suis très inquiète pour la planète. J'ai vraiment une écologie ancrée depuis toute petite, hein, pour être contre le bois, voilà. Et donc, je suis très inquiète, donc j'essaie de rester positive et de faire ma part comme je peux dans cette lutte-là, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Il faut vraiment tout
sur ces nécessaires de faire maintenant pour arrêter là et de trouver une planète qui est stricte et personne n'en prend. Enfin, les gens n'en prennent pas conscience. Donc, et c'est difficile à avoir un enfant, c'est pas sensible. Moi, j'ai toujours pas de. Je peux changer le nom parce que je ne supporte pas l'injustice. Et c'est difficile quand on a envie de faire bouger les lignes et que tout seul on ne peut pas. Donc je prends parti avec les années hein, de faire un petit colibri, de finir ma vie et de faire ma part et ma petite couche sur l'incendie. Et je pense que la part que j'essaie de faire, c'est de changer le récit. J'aime beaucoup ce que j'ai fait révision, c'est-à-dire et lui dit que ce qu'on peut faire, c'est changer le récit pour raconter aux gens autre chose que l'hyperconsommation, que reprendre le temps des choses, retrouver l'essentiel. Hein. Et donc, j'essaie de changer le récit à travers le récit. Il y a une autre raison qui fait que ces adolescents sont un peu perdus, c'est. Leur parents, en tout cas les contextes de famille, on a la sensation quand on grandit, à l'esprit que les parents ne savent plus dire, ne savent plus parler, et en même temps ils sont présents pour parler quand même, et donc malheureusement il a été écouté, le dialogue avec leur enfant, mais enfin il y a plusieurs personnages adultes, enfin il y a des personnages plus jeunes dans notre famille, et ils sont très émus de ces parents. Oui, parce que je pense que les parents, avec le temps, à mon avis, avec le monde qui va de plus en plus vite, ont peur de ne pas être aimés par leurs enfants et donc ont peur de poser trop de limites, des choses trop strictes, de peur de retour, en fait. Je pense que c'est très clair. Mais, les enfants ont besoin de repères, de limites, dans un certain cadre, et je pense que on a peut-être plus le temps, ce temps privilégié aussi avec les réseaux sociaux, j'en reviens, mais peut-être qu'on prend moins de temps avec ses enfants et que du coup on a peur que en étant un peu désert sur certaines choses, et regarde la part de l'enfant sur le parent et la part de la je suis avec la sainte quand j'étais sage-femme d'un enfant, comme quand on est sur une piste de ski, il faut laisser une certaine latitude pour se adopter entre les pieds, mais il faut quand même des protections sur les côtés pour ne pas tomber dans la main. Et ces protections-là, c'est les règles de base. Et en fait, je me rends compte que dans un endroit, les enfants ne vont pas se mettre un peu strict quand même, comme ça. Ils sont perdus, et dès qu'on les remet un petit peu, c'est vrai, ils sont plus sereins. Ils n'ont pas les règles, mais ils n'ont pas les bonnes. Dans les deux, je pense. Je pense que les deux. Mais ce ne sont pas les bonnes règles nécessaires. C'est à prendre les valeurs aussi bien importantes, le respect des autres, le respect de soi. Apprendre que dans une société, il faut respecter les règles de la société pour que ça se passe bien. Parce que c'est souvent dans une société où chacun fait ce qu'il veut et sans respect, c'est pas possible. On apprend qu'il y a des règles de conduite, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut apprendre sur la débat et surtout des choses qui transmettent ces valeurs humaines de bienveillance et de respect. Ça, c'est la limite de conduite et conduite de notre travail d'écrivain aussi, absolument. J'essaie de parler du respect, effectivement, c'est quelque chose qui me tient très à cœur parce que. Parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui se dit doucement et qui a des conséquences sur la société. Et quand on parle avec lui, j'ai raconté l'histoire de respect avec l'adolescence dont je parlais, et j'étais très touchée par
jeune fille qui m'a écrit, qui avait 14 ans, et elle m'a écrit que vous avez un parcours dans la société. Et c'est extraordinaire pour moi, parce que je me rendais compte, je me rendais compte que ce n'est pas ça. Et que la première fois. Il y a beaucoup de questions de temps, parce que c'est dans le livre, dans la vie. Vous trouvez que ça nous manque? Bah oui, encore plus avec le Covid, là, on a un peu.
dans vos livres, il y a souvent une expérience de général quand vous avez beaucoup de temps. Mais c'est ce qu'il a dit, en fait. J'arrive pas à écrire un livre en cantonnant sur un personnage ou deux, trois personnages de la génération. Je trouve qu'il y a tellement d'interactions comme ça humaines entre les plus âgés et les plus jeunes, et chacun a un temps du jour. C'est la vie qui brûle, quoi. Donc, voilà. Il y a autre chose, parce que j'ai fait mon point, il y a un petit détail qui m'a troublé. Vous accorderez vos personnages quand même la valeur du premier choix, du premier amour. Celui que vous ne vous êtes pas trouvé instinctivement. Oui, vous croyez? Je pense on sent quand quelque chose n'est pas résolu, quand c'est un amour très fort qui s'en va et que les enfants ont conscience qu'il est encore là et qu'on aurait dû vivre quelque chose de plus. En fait, on fonctionne tous. C'est même pas à l'instant, c'est juste. J'ai déjà entendu une question l'autre jour qui parlait de. En fait, on est tous dans les cubes, on n'a pas dans les cubes, et donc. L'interaction humaine n'est que de la chimie, de la neurone. Par contre, on va amoureux parce qu'on a un système immunitaire pour faire une défense plus solide pour protéger l'espèce. Par contre, on a des de la chimie. On a un lien de neurone, c'est aussi dans le de la tempête. Donc, il y a quelque chose qui nous échappe en fait. On va le faire beau d'amour, enfin, on ne réfléchit pas, c'est quand on peut commencer à expliquer pourquoi on aime. Je pense que c'est là en fait, c'est dans les cellules. Tout fait dire quoi? On ne connaît pas combien de gens de notre corps, on ne connaît pas, on ignore, on ne l'écoute pas, ça ne sert pas à assez, alors ça c'est sûr. Dans ce monde qui va trop vite, on n'écoute pas son corps, c'est clair. Et je pense que cette pandémie a fait prendre conscience à beaucoup de gens qui oubliaient leur propre corps. C'est-à-dire que quand on s'arrête comme ça d'un coup, on se rend compte de cette espèce d'automatisme qu'on avait à courir, et puis ça ne convient pas. Donc, il y a beaucoup de burn-out, de plus en plus de temps. C'est qu'on n'entend pas son corps pour arriver à un point où c'est le corps qui stop, qui lâche, et quand on ne va pas écouter, on n'écoute pas non plus son instinct, la petite voix, la petite voix, non, c'est pas ça, il va pas, il va quand même pas un peu, la société joue, ça, donc on y va quand même, alors que la petite voix, c'est non, il va pas. Et plus ça va que j'ai fait d'écouter cet instinct, à s'en dire non, on ne prend pas quelque chose. Ou apprendre à dire oui quand certains hasards vous mettent une rencontre sur le chemin, ou voilà, c'est un petit problème, c'est un hasard, et écouter son instinct, c'est se dire, est-ce parce qu'il y a quelque chose qui est. Mais avant de l'écouter, il y a des livres qui se disent, tiens, non, on n'est pas du tout en train de procéder sur le savoir, mais de regarder complètement. On progresse pour un certain nombre de choses et je pense qu'on exerce sur d'autres. Ouais. Je pense que le progrès en fait est trop rapide à l'espèce de la planète et de l'humanité. On arrive peut-être à un point où on va être obligé de revenir un peu en arrière pour repartir sur quelque chose de plus équilibré entre juste un morceau, un tout petit bout de l'univers et on fait partie de la nature humaine, la nature qu'on a oubliée et on essaie de la dominer et de la canaliser, de l'utiliser juste pour nous alors que c'est pas comme ça. Ça, on ne voit plus. Je crois que vous écrivez une liste, hein, mais...
quand vous écrivez votre respiration, c'est votre pause, ces personnages vous offrent la possibilité de grandir, de faire votre monde. Je trouve que c'est ça, en fait, qui me fait du bien dans l'écriture, c'est que je me réfugie dans les histoires, je me réfugie avec les personnages. C'est genre, j'en fais des. J'essaie de mettre de la lumière pour moi d'abord de dire cette histoire d'autres récits et pour me faire du bien. Voilà, alors moi j'ai cette chance-là de rencontrer dans ma vie des personnes extraordinaires, mais j'aimerais tellement avoir des personnages qui dire que c'est possible. Et pourtant, tous ces personnages vont se transformer toujours par une femme qui est très douloureuse. Parce que c'est ma vie. On en dirait ça, c'est la vie, mais pas un peu tranquille. Je pensais que c'est pour ça qu'on n'y va pas, qu'on ne transforme pas, parce qu'il faut passer cette étape là. Alors, je ne sais pas si je peux retrouver. Non, c'est pour ça que je suis un petit peu perdue, excusez-moi. C'est ça. C'est pour dire que c'est la situation qui dit que le changement est très important. En fait, c'est normal de se faire des autres dans la vie. Il est prouvé scientifiquement qu'on a réagi au changement. Et donc, c'est ça qui fait des études, c'est très rigolo. Ils ont pris des gens et ils ont fait aller leur train d'emprunter en voiture par un groupe qui a détourné parce qu'il y avait des travaux. Donc, c'est un peu plus long. Pendant quelques jours, ils ont fait cette route-là, et puis on leur a dit à un moment donné, c'est bon, la route principale, c'est l'usine ouverte. C'est quand ils continuaient par la route que eux connaissaient mieux. Est-ce que vous avez l'air sûr? C'est comme ça, le cerveau a un petit peu du mal avec ces changements. C'est pour ça que les changements sociétés sont aussi difficiles à intégrer, c'est comme ça. Donc, il faut le savoir, et puis affronter ses peurs pour accepter le changement, et passer par cette période un peu inconfortable. Oui, c'est dur de changer, mais parfois, dans la théâtre, c'est la seule solution pour se sentir mieux. Merci, Nathalie.